Oh, kek. C'est une maintenance verrouillée. T'as fait une grosse erreur sur Neb avec mes torpilles. Avec tes torpilles, pardon, faut que t'apprennes la patience avec ces armes-là. Qu'est-ce que t'as fait? Oh, bonjour. Oh, attends, attends, ça soigne ça? Ok. La sensation est légalisée. La quoi que quoi? Il est mort. Ouais? Non, il est pas mort, d'accord, bon. Bordel! Là, ça meurt partout? Ça a l'air de mourir. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe? Docteur Uri Karsgata, 30 septembre 1960. Aujourd'hui est un grand jour. Le cristal et les structures implantées sous l'atoll sont sécurisées. Et le commandant Neville nous a donné carte blanche pour accéder aux écritures. Ces runes sont différentes de tout ce que j'ai pu traduire jusqu'à ce jour. Le commandant Neville suppose qu'elles sont d'origine extraterrestre, mais je pense qu'elles proviennent d'une civilisation bien antérieure à toutes celles que nous connaissons. Les déchiffrer s'est avéré ardu au début. Mais je crois avoir découvert une méthode, et je suis en train d'établir un glossaire. Les autres n'ont pas encore compris. Il y en a même qui prétendent que j'ai tout inventé. Mais les runes sont une logique précise. Elles racontent une histoire. J'espère les savoir plus au cours des prochains mois. Ok. Docteur Uri Karsgata, 30 septembre 1960. Ok, au moins tu peux la relancer si besoin. Est un grand jour. Le cristal et les structures atlantes sur la table sont sécurisées. Mort quoi et quoi? Mort vif et là? C'est lui? Bah, il a l'air vénère. Mais je pense qu'elles proviennent d'une civilisation bien antérieure à toutes celles que nous connaissons. Les déchiffrer s'est avéré ardu au début. Mais je crois avoir découvert une méthode et je suis en train d'établir un glossaire. Je me sens un peu coincé. Wouhou! Vache! Il va éventuellement me tuer si je trouve pas un moyen de l'avoir avant. Ok, on va explorer un peu dans le monde réel avant. Je pense que j'ai trouvé la porte et qu'il faut que je l'ouvre maintenant. Donc, j'ai tout tiré, réparti sur 4 éco-radars, mais un navire couvrait les autres. Il s'est pris 85% de mes torpilles. Il était bien mort à la fin, mais les autres allaient trop bien. D'accord.
Et j'ai le OK. Peut-être qu'on a réussi à détruire cette porte. Super, encore des mauvaises nouvelles. La sérénité parmi les cendres. J'ai l'impression que je peux me permettre de trop traîner ici. Ouais, je suis toujours dans leur... dans cette vision un peu tordue. Hein. Je vais voir si on peut en sortir de ça. Alors, c'était quelque part... là qu'on avait activé quelque chose. Parce que clairement, il n'y a rien à activer ici. Non, c'était là. Ok. Ok, donc ici on est sur un point focal de conflit des mondes, d'opposition des mondes. On est dans un monde ennemi, je suppose. Ça fait chaud à nouveau. On est là pour tout tuer. Oh, c'est basiquement le sous-titre du jeu. C'est parti. Ouais, la fenêtre est toujours ouverte, mais il n'y a juste pas d'air. Mais au fur et à mesure que la nuit tombe, je pourrais ouvrir en grand le volet, ça ira un peu mieux. 18 février 62. 62 ? Ah, ok, ouais, c'est bon. Je trouve du nouveau dans les écrits de Morgriff à chacune de mes lectures. Oh, au fait, on parlait la dernière fois d'un jeu dans l'univers de Remnant, mais qui n'était pas Remnant. Le jeu s'appelle Chronos. Et c'est un peu le même genre de RPG Dark Soulsien. Et ce qui est vachement cool, c'est que ton perso a un âge, et à chaque fois que tu meurs, ton perso vieillit. Et plus tu vieillis, plus tes stats changent. Genre tu commences fort et tu finis sage. Littéralement tu peux... Tu fais plus de dégâts au début et ensuite t'es un vieux mage. Et à 80 ans, je sais pas du tout. Je compte pas le faire donc j'ai pas tous les détails. Par contre je pense savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine. Parce qu'on devrait avoir le temps. Ok. Tu peux nous dire. C'est. Faudra que je vérifie qu'il n'y a rien qui sort ou ce genre de choses, mais. C'est mon jeu préféré. J'ai acheté une console pour ce jeu. Ok, c'est un. Ah non, c'est juste pas bugué, c'est. Il n'y a rien. Ok.
Le dernier des États. Je pense savoir ce que tu essayes de dire et j'aime beaucoup. Mais je n'en dirai pas plus. Attends, il est de ce monde celui-là ou pas? Ça se présente. Non, c'est bon. Bien, là. Donc lui, il est increvable dans l'autre monde. Ok, ils sont plusieurs. Une personne que je suis sur Twitter dans une boutique jeux vidéo qui a presque eu cette demande. Oh la vache. Le franglais, c'est fantastique. Remarque, je dis ça, mais ce midi, avec comme on était de sortie tous, ça a été franglais tout le long. La demande était en anglais. Ah, c'est encore pire. Ah, c'est cool. Hein. Bon, celle-là devrait pas passer. Non, effectivement, c'est pas le bon service. Bon, ok. Voyons voir. Juste le dernier mot qui était pas compris. Ouais, tu m'étonnes. T'as tout le sens qui est. Tout le sens qui s'est envolé. Fait deux tiers du message qui est passé, ouais. C'est comme tout à l'heure, quoi. Il a l'idée, mais pas toute la lumière. Donc ils ont l'air un poil vénère ici. Hein. Tu peux aller là sinon. Non. Voyons voir, hop, médical, le nœud de transformation le plus proche, ça va être ce truc là-bas de toute façon. Comme une espèce de pustule temporelle. Bonjour.
Oh! Ok, quand t'en détruis une, tu repasses dans ce monde. Et c'est bel et bien comme ça qu'on progresse. Yeah! Y a mes deux neurones qui sont touchés. Oh! Ah, pas sûr que ce soit la grande forme, toi. Hein. Il y aurait une carte d'accès. Et on rentre par... Pas par là. Ok. Essayons de trouver une autre pustule. À moins qu'il y ait quelques autres éléments qui soient altérés, mais je pense pas. Oh, j'ai la voix qui part en cacahuète, trop bien. Et donc c'est la soirée. Hein. Et je peux pas passer par là, mais je peux faire l'inverse, je pense. On a un loot ici, genre un item. Enfin, une pièce d'équipement. Bon, on va essayer, on verra bien. Hop. Hop, on va par là. On a dû rater quelque chose quelque part. Peut-être dans un autre secteur. Et renvoie-moi chez moi. Bon d'accord, ça c'est pas ça. C'est Main Bay. On n'a pas tellement exploré le côté gauche, je crois. Même si c'était partiellement parce qu'on se faisait tirer dessus. Main Bay Power, tiens.
peut-être pouvoir rétablir l'électricité. Pour un fusible. Je sais où on en a. Hein. Ça a l'air d'être la même boîte. On va aller faire ça. Observatoire là où il n'y a rien qui a changé. Non. Ok, donc c'est vraiment juste le les ennemis et différentes portes que tu peux. Enfin, c'est la racine qui interagit globalement. Il n'y a que ça. Ok, bon. Bah, allons chercher le fusible. Je suppose qu'on peut ouvrir la porte avec cet ordi. On verra bien. C'est la même map. C'est la même map, ouais. Entre les deux mondes. C'est littéralement un point de contact entre deux mondes et du coup... c'est juste deux réalités sur le même truc. C'est le même map que le jeu de base? Non. Hey, pas du tout. Bon, voilà. Vous avez réussi. Vous êtes de retour. Bienvenue. Oh, commandant? Bon, je te le répète, c'est Hélène, la commandante. Pardon, je voulais dire, monsieur le fondateur. Appelle-moi Andrew, tout simplement. Oui, comme. Je vais aller vérifier les portes. Bizarre, ce jeune. Beau m'a dit que vous aviez trouvé le service Prime. Je suis content que mes informations soient toujours valables. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pensé à cet endroit. Et... vous savez, je n'ai jamais pris le temps de vous remercier pour ce que vous avez fait pour moi sur Yesha. Oh, je ne voulais pas dire me sortir de cette cellule, bien que je vous en sois reconnaissant. Je voulais dire, m'aider à me retrouver. J'avais abandonné depuis si longtemps. J'avais oublié comment me battre, pourquoi me battre. Mais vous revoir m'a redonné espoir, m'a rappelé qu'il était encore possible de résister à la racine. Alors, merci. Bon, que puis-je faire pour vous? Tu sais, moi j'étais là il y a quelques jours seulement, hein. Comment va le service 13? C'est... différent. Je suis parti pendant 30 années et quelques. Des gens ont pu vivre et mourir pendant ce temps-là. Ce n'est pas facile de faire connaissance. La plupart des gens me prennent soit pour une légende, soit pour un fantôme. Ah, peut-être que tout le monde a raison. Mais Hélène a fait du bon boulot ici. Elle a maintenu les gens en vie et leur a donné de l'espoir, comme sa mère l'a fait avant elle. Ok, ciao. Faites attention là-dehors. Bon, est-ce qu'il y a des trucs qui ont changé ici? Salut, nomade. J'espère que vous avez assez de munitions. Vous avez mérité votre place au service 13 jusqu'à présent. La commandante Ford veut quand même que je vous tienne à l'œil, au moins pour quelque temps. Je sais que vous nous avez rendu service, mais on n'est jamais trop prudent. Surtout en ce moment. À qui ai-je l'honneur ? Je suis le lieutenant garde. La commandante Ford m'a chargé de la sécurité. La racine n'est pas notre seul ennemi, vous savez. Il faut bien qu'on se protège. Vous n'avez l'autorisation d'entrer que dans la pièce principale et dans l'armurerie, compris? Que je vous vois pas vous balader hors limite. Ok. Bien. Vous avez prouvé que vous n'étiez pas là pour nous arnaquer. Ah, en fait, je pense que c'est juste qu'on lui a pas parlé dans le jeu de base. Le service 13. On a clairement pas parlé à quelqu'un ici. Un endroit comme ça ne fonctionne pas sans règles. Avec la commandante Ford, ça file droit.
C'est comme ça qu'on a réussi à résister face à la racine pendant si longtemps. Alors vous êtes Bogard, le garde du service 13? Ah, ouais. C'est la commandante Ford qui m'a donné ce nom. Je n'en avais pas quand elle m'a accueilli. J'imagine que ça veut dire qu'elle avait déjà un plan pour moi. Ou qu'elle se foutait de toi. Mais bon. C'est tout pour l'instant. N'oubliez okay. pas, restez dans les zones autorisées. Ah oui, je peux vraiment pas aller en plus. Ah si. Ah bon, salut, c'est pas nomade. Grave. On va aller voir les marchands, tiens, peut-être qu'ils ont des trucs pour moi. Hé, hey, salut. Alors, fabrication, nope, acheter des objets, armure, non plus. C'est pas grave, on a des améliorations. Bonne route. Je suis pas d'humeur à bavarder. Quoi? D'accord, voyons ça. Il y en a un poil plus que ce que vous avez vu. J'ai juste vidé mon inventaire sur quelques boss random. Ouais. Cool. Ah, je suis notamment allé m'occuper du... la meute de chien. Oups. Mais en gros, c'était toute une quête secondaire qui était assez intéressante en vrai. Où le garde des... Enfin, le mec qui était avec les chiens avait une pièce dans le crâne qu'on avait remarqué. Et quand tu les tires dedans, il se fait dévorer par sa propre meute. T'obtiens un élément qui te permet d'aller activer un robot, qui te permet de débloquer, une fois que tu l'as battu, la capacité de faire spawner des tourelles. Donc c'était plutôt cool. Le pauvre, un petit peu, ouais. J'ai aussi terminé de nettoyer les maps à 100%. En vrai, j'ai fait une heure hors ligne et puis c'était pratique, quoi. Enfin, c'était fini. Merde. J'étais allé au service 13 pour une raison, moi, à la base. D'accord. Bon, bah c'est pas là. J'espérais pouvoir reprendre le fusible. Est-ce qu'on avait looté sur ma map? Ou est-ce qu'on était allé looter sur celle de l'autre? Ah, on avait looté sur la mienne. Ok, tant pis. Bon, donc on a vraiment un fusible à trouver. Dommage, c'était une bonne idée. Content de vous revoir.
Ouais, on a toujours pas de... Je sais toujours pas comment on chope les fragments lumineux. Ce qui est dommage parce qu'a priori c'est des trucs intéressants. Oh! Je me demande s'il n'y a pas un rafale qui passe pas loin là. Le présa. Voilà. Bonne route. Hop, niveau 10, et apparemment on peut pas en avoir plus. Bon, on y retourne. Alors, il nous faut un fusible, certes. Où est-ce que je vais trouver ça, moi? Pas ici. Accès à la maintenance. Je suppose qu'on peut essayer là-bas. Le réacteur s'est fermé aussi et je pense pas qu'on puisse l'ouvrir maintenant. C'est fermé aussi dans l'autre vision du monde. A priori, oui. Donc ces trucs-là me sentent. Main power. Si vous voyez un truc que je rate, n'hésitez pas. Les rêveurs sont morts. Je suis la dernière porte. Essayer la baie médicale, à vrai dire, je vois pas trop quoi essayer d'autre. BGRNY TCU ICU. Cessation.
Mais j'ai pas l'impression que ça lui fasse grand chose. On va essayer différemment. Non. Ok, non. Ah mince, on peut pas le faire plein des ennemis. Ça tombe bien, il y a quelques ennemis là. Et là-bas, il y a un truc qui a changé. On sait jamais. Hein. Non, et je suis pas au bon endroit. Ok, autre méthode. J'avais eu. Mais leurs actes sont sans importance. Ok, je pense. Soit j'ai pas le DPS pour le tuer, soit il est vraiment increvable. En tout cas, j'ai plus les munitions pour le tuer. Bon, je suppose que le fusible est quelque part dans le secteur médical. Ah, bonjour. J'avais pas vu ça tout à l'heure. Yeah, progrès. Clé de maintenance. Yes. La pure tempête forte. Et clic clic. Ok. Ça sent pas bon là. Non, c'est pas terrible. Hein. Je profite de ce petit moment d'accalmie pour rappeler que chaque personne qui participe dans le chat ce soir peut... Enfin, vous êtes... je ferai gagner une clé du jeu à la fin du stream, voilà. Et chaque personne qui envoie un message dans le chat participe au tirage au sort. Et c'est une clé pour l'édition complète. Maintenance. Progrès. Alors que j'ai trouvé un fusible.
On a trouvé le truc sur quoi on doit tirer. Docteur Ulrich Arsgaard, 13 décembre 1962. Les premiers services ont connu un certain nombre de contretemps. Le rêveur du service 2 était au centre d'une vague de meurtres suicides plus tôt cette année. Et le service 3 a été réduit en cendres. Ces incidents semblent provenir d'erreurs de calcul par rapport au rêveur. Leurs consciences ne peuvent pas appréhender la réalité de ce à quoi elles sont confrontées. En tout cas, c'est ce que je soupçonne. Des rumeurs courent selon lesquelles les services devraient être fermés. Mais les écrits de Morgriff m'avaient mis en garde contre ce genre de choses. Il n'y a pas d'autre moyen. Si nous voulons sauver notre monde, lier nos esprits avec Morgriff lui-même, ces sacrifices sont nécessaires. Tout le monde sait ce qu'il y a en jeu. Pour reprendre une tournure vernaculaire, nous trouverons l'utopie ou le néant. Ok, néanmoins c'est clair. Contrôle du réacteur. Oh, un ordi qui fonctionne, waouh. Il y a plusieurs trucs à faire péter. Ouh, ça va être nerveux comme passage. Terminal d'accès, commandement de service prime. Blablabla, démarrer le réacteur. Échec d'initiation, veuillez nettoyer les barres de contrôle du réacteur pour continuer. Diagnostic système. Idéalement, tu le fais avant. Connexion et mémoire réussie. Bon, ça a l'air un peu grand. Jamais hein, quelquefois que ça ait changé. Mais ouais non, tu peux pas leur faire de dégâts dans ce stade là. Oh cool, au moins on a un point de transfo qui est juste là. Le reste ça va être les doigts dans le nez. Juste pour leur éviter tous les mobs. Être évident. Circuler, y a rien à voir. Hop. Par contre, y a un truc à boire. Pensez à vous hydrater. Oh, intéressant, on est renvoyé dans notre monde à chaque fois. Il y a peut-être davantage de chances de survie que je ne le comptais au début. Pas forcément de beaucoup, hein, ceci dit.
pont, effectivement, c'est pas passé loin. Ok, un de plus. On va faire péter celui-là maintenant. Juste un petit coucou, ça marche. Canary, sache que... parce que tu viens de laisser un message dans le chat, tu viens de gagner une chance de remporter une clé pour Remnant ce soir. Donc un excellent petit coucou à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Allez, on y retourne. Oh, et on est le 4 juillet. Si jamais certains d'entre vous ont passé le bac, j'espère que vous l'avez eu. Et félicitations. Et si vous l'avez pas eu, vous inquiétez pas, ça peut toujours se retenter. Ok, celui-là, on peut pas l'avoir. Ennuyeux. Ow. Ça marche. Ouh. Ça suit timing. Bon, on devrait pouvoir redémarrer le réacteur. Et juste comme ça. Bon, on a ça aussi. Bonjour. J'aime bien quand j'ai timing large. Nous on vient de là, hein. Oui. Donc là il y a un escalier. Et un tome. J'aime bien cette animation.
Dégâts des points faibles plus 20%. Et un raccourci d'ouvert. Pa-pa-la-pa-la. Oh, trop bien. Pink. On dirait presque qu'il y a eu un archer dans le coin. Anneau de l'honneur. Augmente la santé de 10 et l'énergie de 10. Réduit la charge équipée de 10. Notre première expédition vers le monde de Pan ne fut pas totalement infructueuse. Cet anneau, dont on disait qu'il octroyait la protection de l'impératrice Gina, était une pure merveille. Morgriff me parle. Super. On a fait ça. Le courant est rétabli. Est-ce qu'il est rétabli partout? Ah oui, non, c'est vrai que... Du coup, j'ai changé le truc. Je pensais pas que le bot... Je pensais pas que le message fonctionnait. Hop, du coup, on va pas s'embêter. Tac, tac. Voilà. C'est bon. C'est pas la forme.